Les chefs coutumiers de Kalemie montent au créneau pour dénoncer l'usage des faux de leur nom et de leur signature par un réseau mafieux dans une affaire d'un mémorandum monté de toutes pièces contre le gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala. Pour ces autorités coutumières réunies au sein de l'Alliance nationale des autorités coutumières en ATC en sigle, Zoé Kabila est leur choix judicieux, nul ne peut donc séparer leur affection envers leur fils et tous ses dépendants. Ils ont promis de mettre toute leur énergie et efforts combinés afin de dénicher ces falsificateurs pour non seulement les traduire en justice, mais aussi les faire revenir au respect des valeurs coutumières. On a lancé appel pour les politiciens, comme au Kinshasa, comme au Lubumbashi, comme au Pakalemi, qui les gens, les bitous, tout le monde, si le sultan. Ukipenda kutafuta pouvoir yako, utafute mfason yako, usicheze na jina ya sultani. Sisi wami tu watu wa majabu. Sie tunakatala ile barua ile memo aina yetu. Pase vitu vya kwa mule vya kuandikwa mule ndani, depende ba chef kutimie. Hamna hata kitu kimwake kenye kugusa ba chef kutimie. Ni politique tu ndio mule ndani na maopposition yabo. Ashe ya bongo, masinyatire ya bongo. Yote masinyatire kwa mule aina ya chef Benze, aina ya chef Rutuku, aina ya chef Tumwe. Aina ya chef Kasambondo yote ni mapolitiki wao walisinye bana mite sinatii ule mwenye kuandika tutamvumbua ikiwa usiku ikiwa jua kwa kuwa juu sie tuko tunatumika pamoja na gouverneur mkono kwa mkono. Signalons que ces chefs coutumiers se sont réunis pour aller présenter leur désolation auprès du ministre ayant en charge les affaires coutumières, Dieudonné Kamona Yumba, en présence des quatre honorables députés provinciaux. Ils ont réitéré leur vœu d'accompagner Zoé Kabila dans toute son entreprise pour le développement de la province du Tanganyika. Zoé, oye. Oye.